vous dire de même aussi que pour nous, dans le message, chaque mois de décembre, nous célébrons des événements. Nous célébrons évidemment, entre guillemets, la naissance de Jésus. Et nous célébrons aussi la mort du prophète William Marion Branham. Vous êtes les enfants du message. Vous êtes nés dans ce message. Et vous devriez connaître tout ce qui est nécessaire pour ce message. Comment est-ce que ce message est venu? Comment est-ce que le porteur de ce message est arrivé dans le monde? Comment est-ce qu'il a vécu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Et comment est-ce qu'il est mort? Comment est-ce qu'il est parti pour quitter ce monde? Si vous maîtrisez tout cet ensemble de choses, vous ne serez jamais trompé demain. Parce qu'il y a toujours tendance à amener les gens à croire que Marion Branham, c'est lui Jésus. J'ai lu encore ce matin. Parmi les invités qui sont venus ici, je vois déjà la tendance de certaines personnes à commencer à aller prêcher William Branham Dieu. Parce que lorsqu'on commence déjà à faire des comparaisons entre le char qui avait emporté Élie et Marion Branham qui est mort accidentellement dans une voiture, lorsqu'on commence à amener les gens à comprendre que William Marion Branham est mort parce qu'il est venu pour nous racheter, que son sang nous a purifiés. Lorsque certains prédicateurs arrivent à dire que Jésus est venu cette fois-ci dans la chair pour nous sauver, alors je me demande, le premier venu de Jésus, il était venu comment? Si Jésus n'était pas dans la chair humaine. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui a des difficultés pour utiliser les hommes puissamment. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des hommes complexés et naïfs qui voudraient toujours faire des choses à l'excès. Jésus étant venu dans la chair, tout ce qui se fait maintenant, c'est Jésus dans les hommes. Jésus n'est plus venu dans la forme physique. À part la première forme physique, il est venu quand Jean-Baptiste l'a introduite. Et c'est comme ça que la Bible dit, le salut et le pardon du péché seront prêchés en son nom. C'est comme ça que la Bible dit, il n'y a plus de salut en aucun autre nom, seulement au nom de Jésus. C'est comme ça que quand Jésus est parti, la Bible dit, de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra. C'est-à-dire, si Jésus peut retourner sur dans sa forme physique, il doit retourner sur le montagne d'Olivier, comme la Bible dit. C'est-à-dire, quand il est ressuscité, Jésus est allé accompagné de ses disciples en train de parler. Et pendant qu'il les expliquait les faits, il s'est retrouvé qu'il a commencé à monter et à laisser la terre. Et il est parti, tous les yeux le voyaient. Les yeux, bien sûr, de ses disciples. C'est comme ça que la Bible dit. De la même manière qu'il est parti, c'est la même manière qu'il reviendra. Le jour, il reviendra pour l'enlèvement. Il descendra sur la montagne des Oliviers. Et la Bible dit, il n'atteindra pas la terre. Tous les yeux du monde le verront. Là où il est. Amen, Église. Alors voilà pourquoi vous êtes censé connaître cette histoire. Comment est-ce que le prophète est né? Comment est-ce que le prophète est mort? Voilà, peuple de Dieu. Le prophète est mort et il a connu l'accident. Après avoir fait des réunions, il a fini les prédications et il rentrait pour aller encore prêcher. Il s'est fait que dans la voiture, ils se sont cognés avec une autre voiture qui était conduite par un jeune garçon de 17 ans. Et ce jeune garçon-là était ivre. Alors c'est à partir de là, quand le prophète, ils ont dit, la tête du prophète avait cogné le pare-brise. Et son bras était sorti du côté de fenêtre. Et même son pied était, avait, le pied avait enroulé le volant. Essayez un peu d'imaginer un peu cette scène. C'est-à-dire, il avait des os fracassés. Mais il vivait encore, il respirait. Et c'était le 18 qu'on l'a amené à l'hôpital. 2 heures de temps après, on l'a amené à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, il était dans les comas pendant les 18 jusqu'au 24. Et je crois le 25, si c'est à 2h ou à 4, à 10h, c'est en ce moment-là qu'il est mort. Et il a rendu l'âme.
Le message dit, il y avait des gens, des croyants de partout qui étaient venus pour prier pour eux. Les autres priaient dans leur pays. Mais dans la ville où il était, il dit, plusieurs personnes étaient venues à l'hôpital. Même la salle d'attente était envahie. La salle d'attente était transformée en un lieu de prière. La salle d'attente était transformée en lieu d'église. Les gens priaient pour la vie du prophète. Mais vu qu'il a plu au Seigneur de récupérer son serviteur, parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé et c'est Dieu qui a décidé de son départ, et c'est comme ça que le prophète est parti. Et il est mort précisément le 25 décembre. Amen. Amen. Et pour nous, ça coïncide beaucoup de choses pour nous. Pour moi, j'ai réfléchi, je me dis, d'ailleurs pour nous dans le message, pourquoi Dieu a permis que ça se fasse comme ça? C'est seulement pour nous amener dans un moment de méditation, pour que nous puissions compenser à Dieu au lieu de célébrer cette fête qu'on a mis. Ce sont des païens qui ont décidé de placer Noël ou la naissance de Jésus au mois de décembre, le 25 décembre. Et ça date de depuis longtemps. Je crois depuis l'empereur, comment on l'appelle encore? Constantin, oui. C'est l'empereur Constantin qui a décidé cela. Parce que pendant cette période, il y avait une fête païenne. Les gens célébraient le roi soleil. Les gens fêtaient et ils priaient. C'était le temps, l'instant de l'idolâtrie. Les gens adoraient le soleil, les gens faisaient des fêtes païennes. Alors, vu qu'il venait de se convertir, vu qu'il venait de croire à la parole, alors il s'est dit, mais comment est-ce que le 25, ici, tout le monde part fêter et célébrer la mort? Alors, en cela, nous allons décider de faire la fête de notre Seigneur Jésus-Christ le 25. De la manière à ce que nous puissions étouffer le mouvement païen qui se faisait. Alors il a décidé unilatéralement d'établir la fête de Noël le 25. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Mais or, dans la Bible, le Seigneur ne nous a pas donné une date. Le Seigneur ne nous a pas donné un moment. Mais le Seigneur nous a donné seulement des recommandations. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, on nous a montré comment est-ce que la naissance de Jésus était annoncée. Mais on ne nous a pas donné une date précise. On a dit vers le 6e. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre de Matthieu? Matthieu chapitre 1 verset 18. Écoutez tout ce que la Bible nous dit par rapport à la naissance de Jésus. Matthieu 1er 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car la femme qu'elle a conçue vient du Saint-Esprit. Et la femme aura un fils et il donnera le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Vers le 6e mois, il y a eu un ange qui est allé vers Jésus, qui est allé vers Marie pour annoncer à Marie le grand événement qu'elle devrait subir, que le monde devrait vivre. C'est-à-dire vers le 6e mois, l'ange apparut devant Marie. Il lui dit, tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tout était prévu par le Seigneur. Tout était planifié par lui. Pourquoi? Parce que Marie était trouvée digne de recevoir la vie de Dieu, de recevoir cette promesse de la part du Seigneur. Le Seigneur a voulu que Dieu puisse entrer dans le monde par cette femme. Comme je l'ai toujours dit, Marie a donné naissance à Jésus, mais Marie n'a pas donné naissance à Christ. Parce que Jésus, c'est la partie
de la terre. Jésus, c'est le corps. Jésus, c'est l'humain. Mais le Christ, la Bible Branham me dit, Christ veut dire le oin, c'est-à-dire le Dieu puissant. Christ n'aurait pas été conçu. Mais c'est Jésus qui a été conçu. Jésus qui est le corps. C'est lui qui a été mis au monde par Marie. Mais la partie divine était restée encore au ciel. C'est cette partie qui est entrée lorsqu'elle enveloppe Jésus, qui était conçu par cette femme Marie, est venue au monde par l'obéissance de la parole de Dieu. Le Seigneur a sécurisé cette femme jusqu'à ce que la femme ait eu envie d'accoucher. Et le Seigneur a fait que cette femme qui était fiancée d'un homme de quitter et de parcourir Jérusalem pour aller trouver un endroit pour accoucher. Frères et sœurs, comme on vous montre toujours, Jésus est né dans un étal de bêtes, dans une bergerie où il n'y avait rien du tout. Pourquoi? Parce que toutes les chambres étaient occupées. Toutes les maisons étaient occupées parce que c'était une période de recensement où Jérusalem était envahie. Alors Dieu avait créé cet événement pour attirer tout le monde afin que sa prophétie puisse s'accomplir. Alors Jésus est allé chercher l'endroit. Marie était allée chercher un lieu à l'hôpital. Ils sont allés chercher un endroit dans l'hôtel. Mais vu qu'il y avait des difficultés pour trouver de place, alors ils étaient bien obligés de se retirer pour aller dans une bergerie et trouver refuge de là-bas. Et c'est à partir de là que Marie a enfanté Jésus. Branham dit, l'enfant Jésus, quand il est né, il n'y avait même pas de layette faite pour lui. Sa mère était obligée de le mailloter dans un morceau d'habit. Il a coupé un morceau d'habit. Et il a couvert cet enfant Jésus. Regardez le roi de la terre qui est né dans l'anonymat. Personne ne pouvait savoir que le Dieu créateur du ciel était maintenant dans la peau d'un enfant. Et était sur la terre, sorti par la voie féminine. Et il devrait maintenant commencer sa mission. Le Dieu créateur. Le prophète dit, souvent la vie de Dieu vient d'une manière qu'on ne peut jamais espérer. Vient dans un endroit où on ne peut jamais croire. Peuple de Dieu, il est difficile aujourd'hui de regarder avec les yeux et de reconnaître Dieu dans l'homme. Dieu se cache toujours. Et il se révèle dans la simplicité. Dieu avait choisi de se cacher pour venir dans le monde. Il a choisi de se cacher dans la peau d'un enfant vers le sixième mois. Quand l'ange a annoncé cela, et après quelques temps, Jésus était né. Il est né dans des conditions beaucoup plus médiocres. La chose qui était plus importante, ce n'est pas dans quelles conditions qu'il devrait naître. Amen. Ce n'est pas, le lieu qu'il devrait naître. C'était plus la condition dans laquelle cet enfant devrait venir et la mission qu'il devrait accomplir. Aujourd'hui, nous attelons à nous donner à des futilités, même pour servir Dieu, même pour montrer qu'on a la foi. Nous nous attachons aux choses que Dieu ne fait même pas attention. Nous négligeons les choses essentielles. Or, ici dans la parole, Dieu nous a montré que la manière dont Jésus était venu, c'était minimisable. Il y avait tout, sauf que rien qui pouvait présenter que c'était un Dieu qui était né. Mais le seul signe était venu auprès des personnes qui avaient foi, auprès des personnes qui croyaient. La Bible dit, le même ange qui était allé annoncer à Marie la naissance de Jésus, c'est le même ange qui est allé annoncer aux mages l'arrivée de Jésus. Les mages étaient là en train de travailler, de paître leur troupeau. L'ange leur est apparu. Il leur a dit, vous êtes là. Voilà la chose qui se passe. Le roi d'Égypte vient de naître. Voici son étoile est apparue. Ils ne se confiaient pas à la date, mais ils se sont confiés au message que Dieu a porté au travers de son serviteur. L'ange est venu leur dire, voici son étoile est apparue. Alors allez-y l'adorer. Les mages se sont mis debout et ils sont partis suivant l'étoile pour aller adorer Jésus.
Et chacun d'eux avait amené quelques présents pour donner à cet enfant Jésus. Et bien sûr, à l'époque, il était enfant Jésus. Parce que même la Bible précise, tu donneras à cet enfant le nom. Et en ce moment-là, il était encore enfant. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse régissait encore l'église, conduisait l'église, dirigeait l'église. Et cet enfant devrait venir et commencer au commencement. Amen. Amen. Il devrait commencer au commencement. Pourquoi? Parce que la Bible lui donne le titre de Alpha et Omega. Il ne peut jamais entrer au milieu. Il devrait commencer et subir tout ce que les hommes subissent pour montrer aux hommes, vous tous qui sont nés de femmes, vous tous qui êtes sortis de femmes, vous avez la possibilité de vivre meilleur, d'être supérieur, de manifester Dieu tel que moi je le fais. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas descendre comme ça. Sinon, on allait dire, Jésus a réussi à faire toutes ces choses parce que lui, il ne connaît pas la faiblesse de la chair, parce que lui, il n'est pas né d'une femme. Mais Dieu, connaissant les pensées des hommes, Dieu a choisi de passer aussi au travers d'une femme pour nous donner un exemple, pour nous donner un modèle de la vie de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus est né. Il a commencé à grandir. Frère, j'aimerais que vous reteniez une chose. C'est Jésus-là. Ça, c'est juste une histoire que nous sommes en train de vous donner. Mais les choses ont depuis changé. Mais quand les mages sont venus rendre visite à l'enfant, ils ont amené des cadeaux. Ils ont amené le parfum. Ils ont amené l'encens. Ils ont amené de l'or. Ils ont amené de l'huile. Vous avez certainement déjà lu cela. Ils ont amené le parfum. Le parfum qui typifiait, qui était le symbole de sa mort. L'encens qui traduisait le sacerdotal, le ministère dans lui, la sang qui manifestait le sacerdoce en lui, voilà. Et l'or qui typifiait la royauté, voilà les symboles. Il était prévu qu'il meure, mais dans toute sa vie, il devrait rester aussi sacrificateur pour toujours. Comme la Bible dit dans Hébreux, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La royauté, parce qu'il était héritier du trône de David, puisque la Bible dit le trône de David ne restera jamais vide. Dieu devrait lui susciter un héritier, et cet héritier là était né. Si nous suivons la vie de Jésus, nous remontons, nous allons aller jusque arrivé au niveau de David. Il est de la postérité de David aussi. Le sang pur de David. C'était une postérité déjà préparée par Dieu. Voici ce qu'était cet enfant. Quand les mages sont venus, ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à présenter leurs offrandes. Ils ont commencé à le louer parce qu'ils ont vu l'amour de Dieu pour le monde. Jésus, cet enfant, était le salut du monde. Était le salut de la terre. Comme nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, le monde sombrait dans les ténèbres, le monde soupirait, le monde était dans la souffrance. Dieu a tout tenté pour sauver le monde, mais c'était pratiquement impossible. Retenez bien ceci, frère. Peu importe tout ce que vous pouvez faire à l'église, mais si vous manquez la vie de Jésus en vous, vous êtes déjà condamné. Dieu n'écoute que la prière faite au nom de Jésus. Dieu ne reçoit que les fidèles qui ont Jésus en eux. Frère, tout ce, si vous aimez votre prophète, si vous aimez le prophète Branham, appliquez tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire prenez Jésus, laissez Jésus entrer dans le cœur. C'est la chose essentielle. Branham n'est pas venu sauver quelqu'un. Celui qui a sauvé le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe le nombre de révélations que nous puissions avoir. Je lisais quelque part, le prophète dit, si on vous dit que Jésus est Dieu, sachez que c'est une grosse erreur et une grosse bêtise. Je ne suis pas Dieu, je suis votre frère, un pécheur sauvé par
le sang. Malgré qu'il a dit ça, mais les hommes veulent toujours ajouter. Le prophète dit, attachez-vous à tout ce que je dis. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Si vous attendez quelque chose autre, sachez que cela vient des pensées des hommes. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Si aujourd'hui, si vous avez crié hier à ce message, parce qu'on vous avait dit que c'est Jésus qui est votre sauveur, il a utilisé le prophète pour nous apporter le message de l'heure, pour nous amener l'adoration de l'heure, pour restaurer le temple et la chair de l'église, pour ramener le Saint-Esprit, pour ramener le don et pour ramener la pure parole qui était tordue comme ça a toujours été le cas. Est-ce que vous croyez à cela? C'est la chose la plus importante. C'est la chose qu'il faut retenir. Si vous ne retenez pas cela, même la naissance que vous fêtez aujourd'hui ne sera d'aucune utilité pour vous. Noël. Nous nous approprions de cette fête maintenant. Mais en réalité, Jésus n'est pas né au mois de décembre. Vous devrez le savoir. Nous devons mettre cela dans la tête de nos enfants de l'Écodie. Ils doivent savoir que nous les célébrons parce que il s'agit de Christ Jésus que le monde célèbre. Alors le prophète dit, lorsqu'on vous dit que quelque chose, lorsqu'il y a déjà le nom de Jésus à l'intérieur, alors soutenez cette chose-là si c'est pour le bien de l'évangile. Amen. Amen. Alors, ça peut, c'est un moyen d'évangélisation mondiale. C'est-à-dire, le monde est obligé de s'arrêter. Même les musulmans, même les bouddhistes, même les maïkaris, même les inkankars, même les francs-maçons, tous savent que Jésus est célébré dans le monde entier. Et pour nous, c'est un événement meilleur. Et ça nous place sur le top. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais une journée mondiale pour Mahomet. Il n'y a jamais une journée mondiale pour Moon. Il n'y a jamais une journée mondiale pour Bouddha. Il n'y a jamais une journée mondiale pour je ne sais pas qui que ce soit. Mais il y a une journée mondiale pour Jésus-Christ. Alors c'est une bonne chose pour nous. Nous devons le célébrer avec faste. Le prophète dit, il faut manger. Il dit, c'est un temps de fêter en famille. Manger, danser, crier. Mais faites attention. Parce que la parole de Dieu dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants d'aider sont tués. Aujourd'hui, c'est l'image que nous voulons vous donner. Nous avons connu des temps difficiles. C'est aussi un moment pour nous de faire le bilan de notre foi ou dans notre église par rapport à notre marche. Nous attendons bientôt le dernier virage de l'année. Dieu a été compatissant envers nous. Malgré tout ce que nous avons connu, beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves, mais Dieu nous a encore maintenus à la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré toutes ces choses, Christ ne peut-il pas naître encore dans ton cœur? Christ est symbole de l'espérance. Christ est symbole de l'espoir. Christ est symbole d'espérance, des renouvellements, des transformations, d'épanouissement, de conquête. Christ, symbole de restauration, c'est lui maintenant qui est censé. S'il doit naître aujourd'hui, il doit naître sous sa forme spirituelle, pas sous sa forme d'enfant. Il n'est plus un enfant. S'il fallait compter le nombre d'années, s'il faut compter le nombre d'années, Jésus allait avoir, je ne sais pas, au-delà de 2000 et quelques après, depuis qu'il est né, qu'il est mort. Regardez même le prophète Esaïe. Il nous a montré l'acheminement de la chose. Jésus, aujourd'hui, je crois que je ne sais pas s'il est déjà à l'étape de prince de paix. Parce que Esaïe 9 dit, il a prophétisé sur la souffrance, sur les misères qui étaient sur la terre, sur le ténèbre qui gagnait la terre. Alors il a commencé à montrer aux gens l'espérance qui devrait venir, la lumière qui devrait arriver. Il est le seul prophète qui, quand il parlait, il a parlé avec précision de la naissance et de la mort de Jésus. Il a précisé quelle humiliation qu'il allait subir.
Il dit, même celui qui les battait de verges, si vous avez suivi, les verges qu'on devait cogner, on devrait cracher sur lui. Esaïe a tout dit. Il dit, levez-vous, l'espoir vient, votre espérance vient, votre lumière pour vous éclairer. Jésus était en lui un ensemble de bénédictions pour le monde. Et si vous le croyez, il était un ensemble de bénédictions dans le monde et pour le monde. Alors il a commencé. Il n'a pas dit qu'un prince de paix nous est né. Il n'a pas dit qu'un papa nous est donné. Il n'a pas dit qu'un seigneur vient dans le monde. Mais écoutez comment le prophète a commencé. Il a commencé par dire, un enfant nous est né. Il était né enfant. Mais regardez, Marie a donné naissance à l'enfant. Mais le fils, c'est un don. Nous naissons enfants, mais nous devenons fils. Je crois que nous avons eu enseigné tout cela. La différence entre enfant et fils, si on vous appelle enfant de Dieu, c'est une étape. Mais si on vous appelle fils de Dieu, ça c'est l'étape supérieure. Il dit, un enfant nous est né. Quand il était encore dans la main de Marie, Marie pouvait faire de lui ce qu'il voulait. Parce qu'à l'époque, il était un enfant. Mais lorsque Jésus est devenu fils, et ce fils a dit une fois à Marie, qu'a-t-il entre toi et moi? Marie, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Elle était devenue fils. Et le fils, c'est l'âge de la responsabilité. Le fils, c'est l'âge de la raison. Le fils, c'est l'âge de l'héritage. Le fils, c'est l'âge de la décision. Le fils, c'est l'âge du détachement avec le lien physique de la famille. Amen. Amen. Toi ignorant ne dis même pas amen. Parce que le fils, c'est l'âge où on ne défend plus les intérêts de la famille. C'est le l'âge où on défend la vérité. Je te trouve, on te bat, tu es mon frère. Je commence d'abord par te demander pourquoi on doit te battre. Si tu as volé, si tu as manqué du respect, tu mérites le coup. Point barre. Le fils, c'est l'âge de la raison, c'est l'âge de la maturité, où tous les sentiments humains tombent et disparaissent. Tout ce qui compte, tout ce qui reste, c'est la parole qui compte. Jésus, le fils, c'est l'âge où Dieu dit, quand on est venu chercher, écoutez, Marie et son père partaient, ils allaient je ne sais où, mais regardez ce qui s'est passé. Quand ils ont quitté Jérusalem, ils sont partis. Celui qui était resté à Jérusalem, ce n'était plus un enfant, c'était un fils. Quand il a commencé à prêcher, 3 jours après, ils se sont rendus compte que Marie, l'enfant n'était pas avec eux. Puisque l'enfant n'était pas avec eux, il dit, hey, Joseph, où est l'enfant? Non, mais l'enfant est resté. Et il cherchait l'enfant. Alors, quand il dit, allons-y chercher l'enfant. Quand ils sont retournés, ils ont trouvé, ce n'était plus un enfant, c'était un fils qui commençait à prêcher. Il prêchait les vieilles personnes. Il les enseignait. Quand Marie le cherchait, il a dit à Marie, pourquoi vous me cherchez? N'est-ce pas, il faudrait que je fasse l'œuvre de mon père. Le fils s'est approprié. Il savait que il était venu dans le monde, non pas pour sa propre famille. Malheur à tout cela. Écoutez, frère, la bénédiction de Dieu, vous serez totalement utilisé par Dieu. Le jour où vous comprendrez que vous n'êtes pas seulement utile pour votre famille, que Dieu vous a donné ses dons pour les personnes qui ne vous aiment pas, pour les gens du dehors. Lorsque vous attachez toujours votre don à la famille, vous êtes perdu. À chaque moment qu'il y a une décision de l'église, vous consultez votre famille, vous n'avez pas encore cru, vous n'êtes encore rien. Parce que la Bible dit qu'il soit maudit celui qui met la main à la charrie et regarde en arrière. Vous ne savez pas ce que vous faites. Si on doit toujours, la famille doit toujours interférer dans les choses de Dieu. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas le mal que vous faites à Dieu. Quand le Seigneur vous appelle, le Seigneur doit vous sévrer. Le cordon ombilical avec la famille est rompu.
Dites-moi, nous avons combien de nombrils? Nous avons combien de nombrils? Aussi longtemps que votre nombril n'est pas encore coupé lorsque vous servez Dieu, aussi longtemps que votre nombril n'est pas encore coupé avec le lien de la famille, sachez que vous n'êtes encore rien, parce que ce même nombril-là doit être attaché à Dieu pour que vous deveniez réellement enfant de Dieu. Regardez ce que nous-mêmes nous faisons. Aujourd'hui, Noël, je suis là. Avant tout ce temps ici, je n'ai même pas vu un membre de ma famille. Nous devons beaucoup plus nous inquiéter que l'église de Dieu fonctionne, que notre vie dans la famille. Aussi longtemps que vous avez encore la même mise, sachez que vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'est pas que pour l'intérêt spirituel. Il regarde que Dieu. Premièrement, les avantages spirituels. Si je peux mourir, que je meure pour que Dieu trouve grâce. Si Jésus était venu mourir pour les Juifs, alors on ne serait pas sauvé. Regardez lui, Juif, il est venu mort pour toi. La Bible dit, il est venu chez le sien. Les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Le bien-être universel. Oh, le bien-être universel. Jusque-là, vous ne comprenez pas ce que vous êtes. Que Dieu veut que vous soyez un bien-être universel. Malgré votre âge, le Seigneur t'a choisi pour servir la multitude, pour servir la foule. Quel honneur! Quelle dignité! Et bien sûr, ce n'est pas une dignité pour les insensés. Moindre pépère. Moindre pépère. Les insensés, vous ne méritez pas la grâce du Seigneur. Le jour où vous comprendrez que Dieu vous a choisi pour le bien-être universel, laissons Kabila tranquille. Il a sacrifié sa jeunesse toute sa vie. Il est allé dans des guerres encore. Laissons, ne l'insultons même pas, frère. Parce que vous n'avez le peu de pouvoir que vous avez. Vous courez avec ça pour faire des coteries. Mais quand vous aurez ce que lui a, j'ai toujours dit, les onctions se diffèrent. Nous pouvons être, tout, nous avons ce qu'on appelle tous les péchés, mais nous n'avons pas tous le même degré de péché. Parce que nous n'avons pas tous la même dimension d'onction, ni la même dimension des épreuves, ni la même dimension des tentations. Nous n'avons pas cela. Prenez quelqu'un, chacun de nous, avec ses erreurs et ses péchés individuellement. Il n'y a pas de comparaison dans le péché. Pourquoi l'autre a fait? Pourquoi l'autre a... Non! Vous n'avez pas la même mission. Vous êtes à mon côté. Vous n'avez pas la même dimension. Vous êtes à mon côté. Et par sur quoi vous n'avez pas la même beauté. Vous êtes à mon côté. La beauté des Miss France et des premières dauphines est différente de la beauté de nous qui habitons de l'autre côté. Là, je ne cite pas non. Il y a d'autres personnes, s'ils mettent seulement la photo sur le statut, même s'ils n'appartiennent pas à ta famille, tu es censé copier pour regarder un peu, zoomer. Comment est-ce que Dieu a fabriqué ses yeux, son nez, tout ça, tu regardes. Mais il y a d'autres personnes, quand il apparaît sur ton statut, tu effaces. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui peut t'envoyer sa photo, tu regardes, tu dis, alléluia. Il y a l'autre, quand il le fait, tu l'appelles, tu dis, malasuka na moninga na ote, oti nanga biloko aboe. Mais biloko aboe, pourtant tu vois, c'est sa photo, frère. Écoutez, Yuka, chacun a une onction particulière. Et cette onction particulière fait que nous ayons des réalités différentes. Fait que nous ayons des combats différents. Respectez chacun selon les mesures que Dieu lui a données. Un enfant nous est né. Et cet enfant devrait devenir fils. Un fils nous est donné. Merci. Je vous l'avais dit. Un enfant nous est né. Un fils n'a pas été né. Un fils a été donné. Voilà pourquoi Romain dit, en entrant dans le monde, tu m'as formé un corps. Christ n'était pas né. Jésus qui était né. Mais le Christ est entré. Un enfant nous est donné. L'année prochaine, je traiterai avec les fils et les filles de Dieu. Je ne traiterai pas avec les enfants. Je vais traiter avec des fils et des filles, des personnes qui sont sévrées, qui ont l'air circoncision devant l'autel de Dieu. Ce sont les meilleurs soldats. Ils peuvent combattre pour la mort.
On est venu chercher Jésus. Sa maman la suivait toujours. Sa famille le suivait toujours. Pendant qu'il faisait l'œuvre, on lui dit, c'est Jésus. Ta mère est dehors. Ton père est dehors. La réponse de Jésus, c'était quoi? Il dit, mon père et ma mère et mes frères sont ceux-là qui sont ici, qui font la volonté. Pose-toi la question. Tu es qui? Mon frère et ma soeur. Si vous demandez à ma famille quelle est ma santé, l'état de ma santé actuelle, si ma famille peut m'appeler, c'est pour me demander l'argent. Mais vous, matin, midi, soir, vous voyez ce que je suis. Si j'ai grossi, vous le savez. Si j'ai maigri, vous le savez. Si je suis en bonne santé, vous le savez. Je ne rentre pas chez moi. Je suis ici. Qui me nourrit, qui m'habille, qui me fait tout. Même si je meurs, je mourrai ici. Je serai beaucoup plus à l'aise de mourir ici, d'être pleuré ici et d'être enterré par le mien que si ça arrive là-bas. Si je pars là-bas, dans ma famille, je suis étranger. Nous, les serviteurs de Dieu, dans nos familles, nous sommes des étrangers. Pourquoi? Nous assumons le statut du fils. Nous ne sommes plus enfants. Jésus n'est plus enfant. L'enfant-là était resté. Quand il est devenu fils, il a commencé à faire comprendre à sa famille. Je suis fils. Je suis fils. Ma famille, c'est ce qu'il y a ici. Je suis fils. Voilà maintenant. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Maintenant, c'est l'étape de la domination. Philippiens chapitre 2. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà maintenant. C'est la domination qui repose sur ses épaules. Maintenant, puisque nous avons entamé l'étape de la domination, on commence à vivre maintenant ses autres attributs. On doit l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Regardez toutes ces fonctions que celui qui était enfant devrait assumer et appliquer. Amen, Église. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Branham, qu'est-ce que Jésus a fait le jour de sa naissance? C'était où et quand? Comment devons-nous considérer la naissance de Jésus? La divinité de Jésus-Christ. Je lis paragraphe 37. Aujourd'hui, dans le monde entier, on célèbre la naissance de Jésus, qui est maintenant n'est qu'une tradition. Jésus n'est pas né le 5 décembre, ni rien comme, ni le 25 décembre. Nous savons que cela est impossible. Les collines de Judée étaient couvertes de neige en ces temps-là. Comment donc pouvait-il en être ainsi? Selon l'astrologie et autres, selon tout cela, Jésus naquit normalement le 1er, vers le 1er avril. Ainsi, c'était au printemps. Mais ceci est un jour juste consacré à l'adoration, ce qui est très bien. En commémoration de sa venue dans le monde, le prophète Branham dit, Jésus n'est pas né parce que n'est pas né au 25 décembre, dit parce qu'à cette période, les collines de la Judée, il y a plein de neige, il fait froid. Il dit Jésus ne pouvait pas naître dans le froid. Pourquoi d'abord? Il dit il est un bon berger. Un bon berger, il attend quoi? Les printemps, là où les herbes poussent pour amener ses brebis pour aller manger. Oui, pour aller brouter les herbes. Alors, pendant la neige, il n'y a pas assez d'herbes. Il y a beaucoup de choses. Il s'appelle les lys de la vallée. Les lys là ne peuvent jamais pousser pendant la saison de neige. Il donne
autant de signes. Il dit, Dieu, la nature de Dieu correspond avec les réalités. Il a commencé à dire, ce que vous lisez que les mages ont fait autant, il dit, les mages avaient fait plus de 6 mois pour marcher. Juste, il dit, quand les mages étaient arrivés pour voir Jésus, ce n'était pas les 3 jours qu'on vous a présenté le 5 jours. Non. Les mages n'ont pas trouvé Jésus bébé. Ils ont déjà trouvé Jésus. Ils avaient à peu près 2 ans. Il a calculé la distance. Avec les chameaux, il marchait à pied. Il dit, il pouvait faire à tout. La distance peut faire à peu près 2 ans. Il dit, Jésus avait déjà à peu près 2 ans quand les mages sont venus l'adorer. Il nous dit, regardez pourquoi Hérode avait demandé qu'on assassine les enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Parce qu'il estimait, s'il était né pendant une période, cet enfant devrait avoir 1 année et 10 ans. Alors, pour mieux faire, tuer les enfants de 0 jusqu'à 10 ans. Parce que s'il était né il y avait 1 mois, on allait seulement tuer les enfants même de 2 mois. De 0 mois à 2 mois. Il dit de 0 jusqu'à 2 ans. Juste pour fortifier que les mages, leur voyage a duré plus de 2 ans. Voilà comment la vérité est rétablie. Alors, il dit, Jésus, il ne pouvait pas naître au printemps, pardon, pendant la saison sèche. Oui, pendant l'hiver. Il est né au printemps, il dit, parce qu'en ce moment-là, il y a le renouvellement de la nature. Alors, vu que le prophète Esaïe parle du renouvellement, Jésus, même la nature, l'avait accueilli. Voilà qu'il est né au printemps. Il dit, il est né au mois d'avril. Et les Kimbangistes aussi, ils ont dit cela. Entre le mois d'avril, voilà, et ils célèbrent ça au mois de mai. Noël, Noël, et ils célèbrent Noël. Mais nous célébrons Noël. Nous célébrons Noël. Amen. Amen. Voilà. Alors le Noël que nous célébrons, le prophète Branham dit, ce n'est pas la naissance de Jésus. Pour nous, c'est un temps d'adoration. C'est un moment de commémoration de la seconde venue de Jésus. Quand nous prions aujourd'hui, quand nous offrons, nous le faisons pour commémorer sa seconde venue. C'est ça notre Noël. Noël des matures. Noël des fils. Pas Noël d'enfants. Pas Noël d'enfants. Noël des fils. Je me demande toutes ces prédications que nous prêchons, ça part où? Lorsque nous regardons certaines productions, on se dit nous risquerons de mourir pour rien. Parce que tout ce que vous donnez comme tactique aux gens, tout ce que vous transmettez comme connaissance, quand demain vous allez voir leur production, c'est toujours en dehors de tous les enseignements qu'ils ont reçus. Ça servira à quoi que nous rigolons? Ça sert à quoi que nous soyons amis et frères des mains? Mieux vaut pour nous que vous restez là-bas, que nous restons ici, parce que vous n'écoutez pas la parole, vous n'appliquez pas la parole, vous n'êtes pas sévré. Quand Moïse avait sévré les enfants d'Israël, Abraham, il a oublié lui-même de se couper. Vous savez ce qui lui était arrivé? Dieu a frappé, il a failli mourir. Lorsque vous refusez d'être sévré, ça vous regarde. Le jour où vous grandirez, sachez que la parole de Dieu n'est pas corrompable. Le jour où vous accepterez de quitter le stade des enfants pour devenir des fils, et que vous comprendrez que le plus important dans cette chair, c'est la parole de Dieu, c'est le camp du Seigneur, c'est la vie de Dieu, vous serez délivrés. Vous savez pourquoi vous avez toujours des mauvais songes? Vous savez pourquoi vous avez toujours peur la nuit? Vous savez pourquoi chaque moment qu'il y a une petite maladie, vous paniquez? Parce qu'il n'y a pas assez de Dieu en vous. Voilà pourquoi vous n'avez pas l'assurance. Vous savez la chanson qui dit, j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vie dans ma vie, la vie éternelle.
qu'il m'a donné. Je suis en lui éternellement. Ah, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Mais vous, non, ne partez, n'entrez même pas là-bas. Parce que vous êtes séparés matin, midi, soir. Pourquoi? Par des petites choses. Des petites choses inutiles. Vous méritez les vous méritez maintenant les prédications de prospérité. Oui, parce qu'on comprend que vous venez ici pour les prospérités. Je vais vous prêcher la prospérité. Prospérité. Vous soyez bénis. Vous soyez élevés. Allez. Nous allons maintenant vous prêcher la prospérité. Vous méritez la prospérité. Mais la vie de Dieu, vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas la vie de Dieu. Le jour où vous voudrez la vie de Dieu, vous saurez que il n'y a rien qui dépasse la vie de Dieu dans l'homme. Il n'y a rien qui apporte la paix dans les cœurs d'un enfant de Dieu que la vie de Dieu. Si vous aimez la vie de Dieu, sachez que la Bible dit, ceux qui voudront marcher piécement dans le Seigneur seront persécutés. Mais curieusement, nous n'aimons jamais être persécutés. Quand il y a une petite persécution, nous changeons même notre manière de regarder. Nous commençons à regarder avec dédain. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal dans notre cœur. Nous avons tous le kifunda dans le cœur. Vous êtes venus ici pour Dieu. Si vous êtes pour Dieu, cherchez-le. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Ça sera pour vous une très bonne fête de Noël. Cherchons le Seigneur. La vie de Dieu n'est pas importante si Dieu n'est pas en toi. Sinon le reste, c'est passé de temps pour rien. Mettez-vous debout. Je prie pour vous. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous tous. Tu peux prier toi-même pendant qu'on chante. Tu dis, Seigneur, merci pour cette fête. Merci pour le salut. Merci pour la venue de Jésus. Prie le Seigneur. Après, je vais prier pour vous. Que Jésus naisse dans ton cœur. Que Jésus change la réalité de ta vie. Que Jésus t'amène à aimer la parole. À aimer la justice de Dieu. Que l'amour de Dieu remplisse votre cœur. C'est la seule chose qu'un croyant doit chercher. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Yeah.
Je bénis ton ensemble, Seigneur. En ce jour, date, ô Dieu, anniversaire de ta naissance, comme le monde voudrait bien, Seigneur. Nous n'avons qu'un seul souhait. Et que, Père de gloire, que tu naisses encore véritablement dans le cœur de tout un chacun. Que ceci, Seigneur, soit une ligne, soit un temps, soit un moment, Seigneur, de méditation pour chacun. Et qu'il désire ardemment ta présence dans son cœur, ta vie dans son cœur, pour que demain, Seigneur, nous puissions davantage produire, Seigneur, ô Dieu, les meilleurs fruits dont tu attends de nous. Ô Père, nous savons que, Seigneur, tu es cette lumière promise pour le monde, Seigneur. Laisse que cette lumière puisse luire à jamais dans notre vie, Seigneur, et nous emmener, Père, à avoir davantage les désirs de t'aimer, de te servir avec foi, et que nous comprenions, Seigneur, il n'y a pas plus grande chose que de t'aimer, que de te servir, car tu nous as manifesté autant ton amour, Seigneur. S'il y a des difficultés, des problèmes dans le cœur de chacun, ô Dieu, aide chacun, Seigneur, à revisiter sa vie et à trouver devant toi la faveur, Seigneur, au moyen de la bénédiction de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez passer pour les offrandes. Les paniers sont là devant. Nalola, ola tabila mana ke mona se balongoli bila manyo so esu na mai. Baba ki ona mi esu. Na lola, ozinga mana banje na seba zingi yona mi biyesu na ngai. Zoka yonde mokonzi, moto abazobo manzoka yende mwana mokonzi. Oyo babeti sete yende mobateli, moto abazobo manzoka yende mwana mokonzi. Bato sali bola mwebele, babeti yolokola ebwele fole. Nasa pona mat, nako mamwana na nzambele loyo. Kolo Yesu bolingo na ngai, bolingo motema na ngai. Nzima ozwa nzembo ya molangu, nalangwe bolingo na yo, masiya na ngai. Atamo kile peki singa inga na kotika kombo na Yesu te. Kwa sala mingi na bomo inanga, bato bako kate. Zambe bola muwe, yende mokonja bomo inanga. Bolingo ya mana Yesu we, bolingo ya sukate o. Bolingo ya mana Yesu we, bolingo ya sukate o. Ya Yesu na futa yo nini po kufela nga ye. Eza bolingo ninyo yo. Bolingo ya mana Yesu we, bolingo ya sukate o. Ya Yesu na futa yo nini po kufela nga ye. Eza bolingo ninyo yo. Bolingo ya mana Yesu we, bolingo ya sukate o. Nasa mulu bate pon yo kufela nga ye. Eza bolingo ninyo yo. Bolingo ya mana Yesu we, bolingo ya sukate o. Beta mololo, mololo, mololo. Oji maki kufa pona ngaye, oki pake lolenge na ngaye. Masia Yesu oye mizinga ibanzembo, hey Masia Yesu elekeli